Cyclope! Il est entré dans le Grand Temple! Bon, vous voyez maintenant pourquoi Poséidon tenait à ce qu'on participe à la guerre de Troie? La dernière porte est ici! Quoi? Chronos, l'ancien! Donnez-moi ma récompense! Prenez-les et partez! Nous n'irons nulle part sans vous. Obéissez, s'il vous plaît! Emmenez-les! Assurez-vous que les autres ont embarqué. Je m'occupe de Gargaren 6. Salut à toutes et à tous les amis, ici Kaiser von Karstein, j'espère que vous allez bien. Et aujourd'hui je vous retrouve sur Age of Mythology Extended Edition pour la mission finale de notre campagne avec Arcanthos, la chute du Trident. Cette fois Arcanthos va être tout seul et il va devoir défier Gargaren 6 et aussi défaire cette grosse statue. Donc la première étape c'est d'arriver à l'âge mythique. Alors, on a des villageois, trois villageois, mon dieu, on va aller loin. Ce que je vais déjà faire c'est bâtir un marché pour faire du commerce avec nos deux alliés. Donc on a un allié scandinave à gauche, le clan de Lodbrok. Petit hommage à Vikings, hein, Ragnar Lodbrok ou la mythologie viking. Et ici on a l'avant-garde égyptienne, donc avec des prêtres et tout. Donc ils vont nous servir à commercer. Et je vais commencer à former tout de suite 8 villageois en plus. Enfin, ok. On a 15 villageois, 16, 16 et 3, 19. Donc je vais peut-être en faire déjà ça, je vais faire tout de suite un grenier. Et je vais continuer à bâtir des maisons aussi. Là j'ai gardé de la place pour après. Bon là on a une petite force de base qui coule, donc ce qui est bien c'est que les alliés ici vont nous fournir des unités de temps à autre. Là ça y est, on a déjà commencé la production de nourriture, j'ai envoyé mon éclair explorer. Et ce qu'il y a de bien aussi sur cette carte, c'est qu'il y a plusieurs cornes d'abondance, donc mais il rapporte que 1 point d'unité à chaque fois, donc on verra comment ça se passe. Et je pense qu'il y a quelques reliques dissimulées. Donc, bah là regardez, ils ont déjà des peltastes lourds. Bon, par chance on s'en sort. Ok, donc là on a déjà fait ça, il faut spammer vite la nourriture. Donc là-bas il y a une tourne d'abondance aussi, c'est la plus proche. Bon, ils n'ont pas encore développé les créneaux, donc ce qui est assez facile pour nous à éviter. Ah bah là ça va pas pouvoir éviter tout ça. Ils ont aussi des marchés, des caravanes, d'accord. Donc là il y a une base déjà. Ok, je vais nous mettre en position défensive. Et ce qui est bien, c'est que l'ennemi, l'allié a aussi une source soignante, donc on va pouvoir se soigner. Donc 7 et 1, 8, c'est parti. On a combien de fermes? On en a 5. Par contre, on va manquer de bois. Donc on va faire un entrepôt ici. Et j'ai commencé à envoyer des citoyens là-bas. Oh, des biquettes. Eh ben vous 6, vous allez arriver chez nous. On en a déjà 6. Oh là là. Oh, l'éclair, il va m'envoyer. Là c'est bien, il y a une autre colonie, on pourrait s'en emparer, mais le problème c'est que c'est pas d'une base ennemie. Bon, je vais les ramener là-bas, mais bon. Oh punaise, notre éclair a échappé au pire. Hein. On a déjà 4 citoyens au bois, on va en former d'autres. Il va nous falloir de l'or. Donc j'ai déjà envoyé quelques caravanes faire de l'or pour passer à l'âge mythique. Là on a 2 géants. Oh. Bon, au moins c'est bien, l'ennemi réagit quand il attaque. Nos alliés réagissent quand ils sont attaqués, c'est cool. Ok, donc on a 6 villageois là. Est-ce qu'il n'y a pas une mine d'or dans le coin? Si, mais elle est assez exposée, c'est ça le problème. Je vais peut-être en envoyer quelques-uns par là. Donc il nous en aura encore un et ça suffira, je pense. Alors, au niveau des ressources, on a ça, ouais. On va essayer d'améliorer tout de suite notre économie, on en aura bien besoin. Il y a des chèvres là qui servent à personne. Je vais aller les récupérer tout de suite. Donc toi tu vas là et t'en rajoutes encore. Voilà. Ça nous fera 9 chèvres.
On a une caravane qui nous rapporte 24 ici, c'est pas mal, c'est un début de revenu. Par contre, si je les emmène là-bas, on va essayer d'en ramener deux, on verra. On a plus assez de nourriture, tant pis. Pour le moment, on va rester en position défensive. Oh, nos alliés là. Ils ont donné un petit coup de main. Ils sont attaqués de toutes parts. Ouh, ça c'est pas cool. On espère qu'on se prenne pas une attaque aussi. Par contre, là je fais attention à nos. Voilà, on va s'occuper de tout ça tranquillement. Ils ont des unités plus avancées que nous, c'est logique. Parfait. Par contre, je vais envoyer Arcanthos et les amis s'occuper d'Hippolyte parce qu'elle est en train d'attaquer les bâtiments. Le reste de l'armée, je vais la rapatrier à notre défense. Allez aider Arcanthos s'il en a besoin. Et il fait mal, waouh. Il est déjà à l'âge mythique, non? Allez. Yes. Un géant de givre en plus et, un géant des montagnes. Ça, c'est cool. C'est cadeau. Ok, donc l'ennemi fait vraiment très mal. Hein. Donc, de temps à autre, comme je vous le disais, les alliés vont fournir des unités mythiques. Donc là, on a déjà un géant de givre en plus. On va se soigner là. Ah, les villageois n'ont plus de nourriture déjà. Ça promet. Concernant l'or. La caravane rapporte que 11, mais bon, 35 x 2, ça nous fait 70, donc c'est plutôt bien. Je pense que j'ai déjà programmé les prochaines fermes à faire. Donc, on voilà. Oh, les vilains. Bah oui, attaquez tous là, vous avez raison. Position agressive aussi. Ouais, on va en avoir des petits problèmes parce que les ennemis sont plus avancés que nous. Et Arcanthos, il est où? Eh ben, rame-toi. Oula. J'aborde pas ce niveau de la meilleure des manières, je vous le dis honnêtement. Nos unités se sont faites massacrer. Bon, par chance, les géants tiennent bon. Et j'ai oublié le pouvoir. Voilà, c'est pas mal. On a réussi à... Allez, Cyclope, meurt. Voilà, c'est bien, c'est en train de mourir. Oh punaise, on a tout perdu. Et bien sûr, ils ramènent des renforts, tranquille. Oh là 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 là. Ça va être chiant cette mission. On s'est fait, mais dérouillé. Et derrière, bien sûr, l'IA enchaîne. Ces guerriers d'Osiris vous aideront lors de ce grand combat. Ah oui, ah, ça je veux bien par contre. Un fils d'Osiris, moi je dis pas non. Oh là, le camp s'est fait ratiboiser ici. On a perdu un... Et en plus on a plus de citoyens alors, ça c'est fâcheux. Ce que je vais faire, je vais acheter 500 de nourriture. Voilà, pour équilibrer. J'envoie ces citoyens là-bas. Bon, faut pas oublier que le citoyen d'Osiris peut nous soigner, ça va être utile. Donc là, il va falloir survivre, hein, clairement, jusqu'à l'âge mythique, il faut le dire. Putain, il soigne bien, vite et bien, c'est ça qui est cool avec lui. Je vais faire les bacchanales pour ça, et je vais aussi faire le... la nourriture pour poser pour Zeus, là, le sang olympique pour les héros. Là, on en aura bien besoin. Là, je garde mon pouvoir de foudre utile sur la statue, vous allez comprendre pourquoi. Donc là, faut survivre. Allez, c'est parti, on peut passer à l'âge suivant. Je prends tout de suite Héphaïstos pour sa corne d'abondance et les améliorations d'armure réduites. Surtout ça.
Et derrière, ce que je ferai, c'est que j'enverrai des citoyens, enfin des villageois prier au temple. Les bacchanales vont donner quelques points de vie supplémentaires à nos unités. 15 points de vie, c'est toujours ça de prix. Et lui, il a des points de vie en plus. Ouais, de 21, c'est toujours ça de prix aussi. J'ai tout quand même, dès que possible, amélioré ça. Mais c'est vrai que la mine là, elle est toujours exposée, c'est horrible quoi. Là, il y a une mine d'or, elle est inutile. Je pense que les caravanes avec l'Égypte, ça va être mort. Ce que je veux faire, je vais les rapatrier toutes les deux vers le Scandinave. Ça sera déjà ça de fait. Qu'est-ce que je peux faire d'autre? Là, le Minotaure va pas être utile. La parenté olympique va augmenter les points de vie de Arcanthos. Donc là, on a 75 points de vie en plus. On a 90 points de vie avec les deux technologies. Ça va être très utile. Du coup. Et une nouvelle attaque, bien sûr. Et là, avec l'aide du fils d'Osiris, ça va bien changer la donne, vous avez vu. Ils n'ont pas eu le temps, même si on est en retard. Quand il faut espérer que le fils d'Osiris ne soit pas blessé, bien sûr. Je crois qu'on peut lui améliorer ses points de vie, à lui, hein, il me semble. Enfin, ses capacités. Donc là, c'est bien, on a un peu plus d'or qui arrive rapidement. La nourriture, on va commencer à bâtir les fermes. Je vais tout de suite améliorer ça pour commencer. Le puits de charpentier. Et voilà. Et l'or aussi. Comme ça, tout sera fait. La corne d'abondance, on va la mettre où? Il faut trouver un endroit où elle ne sera pas attaquée, quoi. Là, on pourra pas. Là non plus. Non, tu déconnes. Ah, peut-être là, tiens. On va avoir des ressources qui vont te générer en plus. Là, il nous faudra combien de ressources de chaque déjà? Ah bah voilà, c'est cool ça. Donc là, on est déjà à l'âge mythique, donc là, il faut pas trop traîner. Il va nous falloir accumuler quoi? 1000 de nourriture, 1000 d'or et 50 de faveur. Bon, les faveurs, on les a. Par contre, j'ai commencé à faire des citoyens ici. Je vais revendre le bois que j'ai en surplus. Et je vais racheter de la nourriture surtout. Les gens du givre vont nous être très très utiles. La corne abondante va générer des ressources. Et après on ira en capturer quelques-unes. Mais bon, je pense que ce sera pas utile finalement. On va peut-être juste utiliser Arcanthos et revoir quoi. Ah, non 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 mais non mais c'est quoi cet abus sérieux? Ouais. Occupe-toi de ça vite. Parfait. D'ailleurs, on a neutralisé. Là, le fils d'Osef nous aide vraiment, même si on prend le tour de perte. Et évidemment, derrière, les sacs, ils nous font une deuxième attaque. Hein, parce que sinon, c'est pas drôle. Je vais essayer de protéger mon fils d'Osiris, mais ça va être compliqué. Je vais quitter à le sacrifier. Bon, au moins, on a les ressources. Déjà, on est tranquille. Et on va risquer de perdre notre fils d'Osiris. Il est chaud. Bon, là on a réussi à neutraliser. Je pense qu'on va aller raser les forteresses hein, parce que sinon ça va pas aller. Là je dis à mon fils de soigner mon géant des montagnes. Et là on a enfin les ressources, mais il faut bâtir la mairie ici, et vite. J'ai tout de suite construit aussi une armurerie là. Allez. Et bien sûr, ils ont déjà refait leur. Oh, ça m'énerve ça, l'abus du jeu quoi. En plus, Arcanthos il vient de se faire démolir. Oh, cette mission elle est horrible à ce niveau. Là, je joue qu'en modéré, donc là, s'imaginer en difficulté difficile ou voire pire.
Et voilà, j'ai pas eu le temps. Hop, tant pis. Ah, je veux dire à mon fils de soigner les villageois. J'ai pas fait d'amélioration de bâtiment, tout simplement. Pour être tranquille aussi sur ça. Bon, ça va, quand aussi il est là, on va le régénérer après. Je veux dire, j'ai sacrifié mon géant. Et je vais aller le récupérer. Parce qu'il faut pas déconner. Hop, force de Phaistos, ça va réduire les coûts d'amélioration. Et on va faire un Arcanthos boosté aux hormones. Voilà. Ramène-toi là. Vite. Donc là, il nous ramène les Peltas. Allez. Bon, là, les cercles ont été produits en masse, mais bon, leur base va pour faire long feu. Hein. Honnêtement. Parfait. La forge d'Olympe a été développée. Allez, tout le monde là. L'Arcanthos il se fait soigner. Je vais commencer à améliorer tout de suite mon équipement. Putain, ça coûte plus rien, ça c'est bien. Et je crois que je lui ai donné du. Au fils de Zio, donné du pouvoir à la forge. Mais ils rajoutent combien d'attaques comme ça? Faut arrêter. Donc toi, tu me fumes ça. Désolé, bite, si je veux bien. Allez-y, allez aider Arcanthos parce que là ça commence à être horrible. Parfait. On a tenu bon. Une nouvelle incursion de repousser. La moitié de la merveille est bâtie déjà. Là c'est juste de la survie. Hein. Ce scénario, j'essaie de pas m'embêter, faut être efficace. Ce scénario peut durer très longtemps si on n'a pas de chance. Et je vais dire aussi à faire de la monnaie pour que la vitesse de l'or arrive plus rapidement. Voilà. Et bah, il commence déjà à développer un peu l'équipement. Même si pour certains on a du retard. Et je vous verrai qu'à la fin, quand j'aurai ce qu'il faut avec Arcanthos grâce à la statue de Zeus, vous allez voir ce que ça va donner. Et vous allez comprendre pourquoi en donnant cette campagne la chute du trident. Bouclier en cuivre développé, allez on continue. Ce serait con de perdre le fils d'Osiris là-dessus. Bon, on a gagné de meilleure armure et autres, ça c'est pas mal. Il est quand même une classe comme ça, Arcanthos de base. Allez, continue de bénir. Pas de nouvelles attaques, non. Yes, ça, ça va être utile pour notre défense. Procéder. 8400 points de vie, elle est plus beaucoup, allez. Allez. Je vais tout de suite les renvoyer au bois après, dès que c'est terminé ces 6 là. Ça y est, une nouvelle attaque. Attendez que la petite surprise que je vous laisse. Il est voir tout ça. Il est où, attends. Et regardez la petite surprise. Il est béni. Regardez les stats de foot qu'il a. Ouais, on va dégager tout ce petit bordel. Ah, on a perdu le fils d'Osiris. Ouais. Ah ouais, vous avez voulu m'emmerder. On va chasser tout ce petit monde d'abord. Ils font rien, les gars, ils sont pourris quoi. Ah, il y a un cyclope qui a volé, il a pas de lumière. Hop. Parfait. On va déjà faire un petit exemple, on va faire une petite démonstration de force d'Arcanthos. Hein. Oh, par contre, il faut continuer de développer les équipements là. Histoire d'avoir un Arcanthos bien développé.
2400 points de vie. Ah ouais, tu veux me titiller, toi. T'es sérieux? Par contre, j'aurais peut-être dû garder les anciens. Je crois qu'il fallait peut-être utiliser éclair, mais... Regardez ça. Forteresse va tomber. Quitte à ce qu'on perde la base, on s'en fout. Ok, donc vous 6, vous retournez au bois comme prévu. Vous, vous retournez à la nourriture. On va faire un peu de nettoyage en attendant. Ah ouais, tu veux jouer ça. Oh oh. C'est ce que je me craignais aussi. Bon, on va en mettre un là. Hein. On va rapatrier ces caravanes par là. Ah là là, les sacs, le sac. Bon. En attendant, il faut profiter au maximum de... Hop, on va les prier. On rase tout ce qu'on peut. Bon, ça va vite, hein. J'ai pas besoin d'armée. Si je veux, là, je vais envoyer Arcanthos tout seul. Il va se faire tout ce petit monde. Juste, il a toutes les stats à fond, je crois. Ouais, je fais toute l'armurerie. Regardez, le colosse, il va déjà bouler. Hop, 87%. Alors, deux coups, il peut shot un colosse. Il peut dégommer un colosse, donc bon. Non, je vais aller directement à la base. Hein. Je vais pas m'emmerder. Évidemment, ils en ont après mes caravanes. Bah, allez savoir pourquoi. Bon, ça va, les prêtres s'en occupent. Un lion de Némé de tomber. Oh, vous m'empêchez de passer. Bah, essayez. Je commence par qui? Regardez. Il y a un taux de régénération qui est surboosté aux hormones. Allez, on envoie tous sabler. Je crois que je vais passer quand même. Hein. C'est pas parce que qu'il est invulnérable qu'on peut se permettre des choses, mais bon. Regardez. Allez, viens là, toi. T'es le prochain sur la liste. Allez, mon gros. Regardez ça. 600 points de vie. Il enlève 600 points de vie par coup, la statue. Ah ouais, mes attaques sont vaines, regarde la vie du descendant du gros. Et on en reparlera après. Regardez. Et en plus, les enfers invoquent des tonnes d'unités pour essayer d'aider la statue. Mais bon, on va faire un peu nettoyage autour. Allez, à mort. Je suis attaché à comme ses points de vie, mais bon. Son pouvoir va se recharger, ils vont rien comprendre. Ouais, occupe-toi de cette statue, on s'en fout du reste. La mission, c'est la statue. Dans une 10 coups, il est mort. Voilà. Au revoir, statue de Poséidon. Au revoir, Carcarine 6. Ouais, déchaîne-toi. Un peu succès, maître du trident. Alléluia, mes frères. Juste les bâtiments. Nous avons sauvé les habitants. Et Arcanthos. Arcanthos. Réveillez-vous. Ok, du coup, bon, j'ai dépassé le générique avec les écrans cathodiques et autres, donc c'est la fin de cette campagne, comme vous pouvez le voir. 32 missions quand même, ça a été assez compliqué pour certaines. Bon,
Globalement, je pense qu'on en est plutôt bien tiré. Là, j'ai un peu peur sur cette mission, elle était assez délicate. Mais bon, voilà pourquoi j'ai voulu jouer en modéré, parce que je savais que les dernières missions étaient assez délicates à gérer. Et sinon, on s'en est bien sorti. Quand tout ce qui est devenu un demi-dieu avec la bénédiction de Zeus, puis un dieu avec Athéna, pour le remercier d'avoir sauvé le retour de Chronos sur le monde connu. Parce que sinon, on aurait eu des complications, et de sérieuses complications. Enfin voilà, j'espère que vous avez apprécié cette campagne. En tout cas, moi, je me suis bien éclaté dessus. J'espère que ça vous a plu quand même. Si jamais vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Si vous avez un commentaire ou autre à faire, n'hésitez pas. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, les amis, je vous encourage à le faire. Et si vous n'êtes pas encore abonné à la page, enfin, si vous souhaitez soutenir financièrement ou moralement la chaîne, avec la page Tipeee dans la description, n'oubliez pas. Voilà. Après, donc là, cet épisode-là, c'est le dernier, il sortira le samedi. Demain, le dimanche, du coup, je ferai un épisode, le premier épisode de la série de Zeus, le maître de l'Atlantide, le City Builder, pour que vous montre un peu de quoi il s'agit. Voilà. Je vous dis à la prochaine, les amis. C'était Kaiser von Karstein. Merci d'avoir suivi et à bientôt.